C'est moi qui vais te l'appliquer. Non mais bébé, tu vas pas me l'appliquer en même temps. Oh mon dieu. Très ASMR. Mais il va trop vite. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon copain. Pourquoi tu parles en même temps? Bref, mon copain Fabien, que vous connaissez sûrement. Aujourd'hui on se retrouve pour la night routine, enfin la night routine 2.0, car comme vous le savez on a enfin emménagé ensemble et du coup c'est pour ça qu'on vous la refait après de nombreuses demandes. Alors déjà rien que ça, je te laisse liker la vidéo en bombe. Si tu veux plus de vidéos avec moi et mon copain, dites nous qu'est-ce que vous voulez ensemble et tout. Et puis du coup vous allez nous suivre toute la soirée. C'est vrai que notre night routine a beaucoup changé parce que en plus on a adopté notre petit bébé. Du coup bah faut s'en occuper et surtout aussi le fait de vivre K2, je peux vous dire qu'on a des choses à faire. Voilà notre petit bébé. Oh, faites pas gaffe à ses yeux là avec la ring light, ça doit lui piquer. Mais du coup tout simplement on commence notre soirée par aller faire la petite promenade. Il est actuellement 18h04 et faut bien qu'il se dépense ce petit loulou là. Transition avec la pâte d'api. Non mais let's go les Big Mac. Mais comme un débile j'allais sortir comme ça alors qu'il fait moins 4 degrés dehors, alors que toute la semaine il faisait 30 degrés. Moi je comprends plus. Bref, c'est parti. Non mais regardez le app, ouais, je dirais une peluche. Ouah, il fait un froid de canard. Regardez le, il est tout fou du coup. Oui. Bah alors qu'est-ce que tu fais bébé? Oui. Il a un problème ce chien, il va aller vers tout le monde. Arrête Happy. Trop vite. Là clairement je suis désespérée. C'est pas, on a vraiment la poisse. Il va pleuvoir sa mère. Voilà. Là regardez, il est trop content. Purée, il pleut. J'en ai marre. Viens dire bonjour. Oui. Catastrophe. Oh. Vraiment, je vais vous raconter. Regardez Happy comment il est trempé. Regardez-moi, regardez mes cheveux. Regardez Fabien, on n'en peut plus. Wesh, il a plu d'un coup. Enfin bref, c'est une balade qui vire au carnage. On est rentré en vitesse. Oh, on dirait une serpillière. Non mais nous, on est vraiment bêtes. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que vous faites dehors? On va chercher McDo sous la pluie. C'est parti. En carte bleue. Qui va payer? C'est mon copain. Ouah, bien sûr. Oh, je sais pas quoi prendre. Je vais prendre ça. Coca à la base. Petit dessert, McFlurry d'un sauce caramel, la base. Bon bah maintenant c'est à mon bébé de faire sa commande. Ça, sauce mayo, Fanta à la base, sans ketchup hein, parce que qui met du ketchup? Et moi aussi je vais prendre un petit McFlurry. Je vais prendre M&M's et caramel. Voilà, paiement accepté par respect. C'est parti pour le marathon. Non mais l'autre il court sous la pluie, wesh. Mais wow. Le karma il m'a vite rattrapé. Mais wesh, ça fait 4 mois que j'habite ici, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah non, mais regardez-le qui voilà. Oh non. Enfin rentré. Eh franchement, moi j'en peux plus. La pluie, elle m'a achevé. Mais franchement, ça en valait le coup. Tenez, très cher. Merci. Je me suis fait arnaquer. Regardez, j'ai que ça comme Fanta. Mais du coup, petit McBang improvisé. Croyez pas que tous les soirs on mange McDo. C'est juste là. Eh, on n'avait pas le temps. Sinon, vous m'avez beaucoup demandé comment ça se passe avec Happy, etc. Franchement, en ce moment, ça se passe hyper bien. On lui a appris assis. Couché. Quand on l'appelle, il vient vers nous. Il sait marcher avec la laisse. Et j'avais trop peur qu'au début, il nous laissait pas dormir. Mais en fait, la nuit, il dort comme nous. Il se réveille à la même heure que nous. Mais par contre, on doit s'adapter à toutes les situations. Prévoir pour 3 carrément. Mais sinon, là, pendant qu'on mange, on va regarder ce qu'il nous reste comme devoir à rendre. On veut pas avoir des zéros quand même. Bon, on a fini. Nous, on va finir de manger. Clairement, après, on va aller à la douche parce que là, regardez déjà, on est sale. Je sais pas si ça se sent, mais on pue la transpiration. Non, c'est pas vrai. On va vous montrer les soins qu'on fait le soir parce que c'est vrai que le matin, on a grave pas le temps alors que le soir, c'est là où on se donne à fond pour avoir la peau qu'on mérite. Oh, mais je sais pas manger. À tout de suite après la transition. Nous voilà enfin dans la petite salle de bain. Stop. C'est trop. Du coup, bah, je te propose de te mettre un walp en fait. Likez la vidéo en fait. Oh là, mais qu'est-ce que tu fais derrière? On dirait que j'ai des longs cheveux. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenue hétéro. Voici ma nouvelle copine. Fabienne. Sabrina. Non, Fabienne. Non, Sabrina. Ok. Et vous inquiétez pas, comme d'habitude, on s'est pas mis complètement à walp en fait. C'est comme si on était à la piscine quoi. Non, mais c'est la swimming pool ici. Putain, j'ai mis du mascara tout à l'heure, ça se voit encore. Par contre, attendez, on va clarifier les choses. Tu me fais pas de trucs bizarres pendant la douche. Hein. Non mais Cron lui je vais faire quoi? Oh seigneur, pourquoi l'eau elle est froide comme ça? Mais le soir c'est censé être détente hein. Oh là, il commence déjà. Quand faut y aller, faut y aller. Mais wesh, attends,
revient un mort-vivant. Mais c'est quoi ça? C'est le mascara, je crois. Wesh, la tapette. Du coup, première étape, on se relave le visage pour enlever toutes les impuretés qui se sont passées tout au long de la journée. Pour ceux qui veulent la référence, très youtubeuse beauté. Et on en met bien sûr sur Fabien. Vu qu'on est censé être couple goal, c'est moi qui vais te l'appliquer. Non, mais bébé, tu vas pas me l'appliquer en même temps. Faut que je me dise. Mais non, c'est fait exprès, je crois. Oh mon dieu, ton gros pif. Non, mais toi, tu rentres dans une pièce, c'est ton nez qui rentre en premier, en fait. Ouais, j'en ai dans les yeux. Mais ferme les yeux, mes pichards. Pas dans mes oreilles. Wesh, mais il est malade, votre pote, hein. Mais wesh. Mais c'est quoi, ça? Ça fait des guilis. Lui, on va lui nettoyer tous ses boutons. Ah ouais, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai cher des boutons. Les monosourcils. Comme j'en ai pas. Bon, j'avoue, je dois en avoir vu que je me suis pas fait épiler les sourcils depuis 6 mois. Recule-toi, tu fais peur aux oiseaux. Ouais. C'est bon. Bon, on se rince d'avant le visage. Allez, hop. Non, non, non. Ah mon dieu. Ah, mais tu... il me bave dessus, mais c'est quoi ça? T'es où? Mais je suis en face de toi, tu veux que je sois... Mon bébé, t'es devenu tout rouge. Wesh, il fait une allergie. Et tu mets ce produit tous les jours, je comprends pas. Ah mais je ressemble à Krusty le clown. N'importe quoi. Et du coup, le soir, ça nous arrive de faire des petits gommages pour le corps. Là, on va faire celui de Kylie Skin. Je vous avoue qu'on l'avait jamais utilisé, du coup, on va le tester. J'espère vraiment ça va nous enlever toutes nos peaux mortes, en fait. Ça sert à ça, un gommage. Oh, regardez, ça sent trop bon. Faut pas oublier les jambes, bien sûr. Faut avoir les jambes qu'on mérite, les jambes de gazelle. Moi, j'en mets principalement sur mon dos parce que j'ai pas mal de boutons. Apparemment, les gommages, ça aide pas mal. Petit massage gratuit, écoutez. Ça fait du bien. Oui. Et puis voilà, on va pas descendre plus bas non plus. On est où, là? En tout cas, très coco, très exotique. Lui, se croise, il Caraïbe. C'est froid. Comment ça, c'est froid? Mais t'es vraiment une chochotte, hein. Oh, putain de sucre. Comme on dit, l'hôpital fout de la charité. Mais de la carte vitale aussi. Donc bien sûr, après le gommage, on vient mettre du gel douche. Enfin, je sais pas, tu vas pas te laver juste avec de l'eau. Donc voilà la référence. Qui va acheter même? Et moi, ce que j'aime trop après le gommage, c'est qu'on se sent genre glissé. Et après, je vous avoue que pour les cheveux, moi, j'ai déjà fait un shampoing ce matin. Moi aussi. Donc, faut pas se laver les cheveux non plus tous les jours. Sur ce, les Big Mac, nous on va aller se rincer, on va finir notre douche à deux. Et puis on se retrouve tout de suite après. Du coup, la douche est finito, pipo. On va se laver les dents. Moi, bah, du coup, je suis repassé à une brosse à dents comme ça parce que bah, j'ai trop la flemme de recharger ma brosse à dents électrique. Et après le lavage de dents, on va faire le petit soin du soir. On broche. Il faut frotter. Allez, continue. T'es vraiment un gamin. Non, mais toi t'aimes trop me copier en fait. Du coup maintenant on va passer à la crème hydratante. Franchement c'est la base. C'est la même que j'ai utilisée dans ma morning routine. Donc allez hop, la base. Toujours très délicat. Ensuite nous allons appliquer la lotion tonique de chez Fenty Skin. Je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont en plus. On la met sur un petit coton. Et puis on se l'étale tout simplement. Par contre j'ai carrément oublié de me raser. Je ressemble vraiment à un grizzly. Et on va finir tout simplement par mettre une crème contour des yeux de chez Dr. Jart. Donc ça bah faut le mettre sur le contour des yeux je pense. Après franchement on n'est pas du tout spécialiste des produits. Ça se trouve on met pas du tout les bons produits dans l'ordre. Mais bon on s'adapte. Ah pourquoi j'ai un cheveu là? Et du coup voilà un petit peu notre routine avec les produits et tout. Là, je pense qu'on va faire plutôt un moment assez cocooning. Parce que clairement, il est 21h59. Franchement, le soir, on adore faire ce qu'on appelle les outfits de la Hesse. Ça va des chaussettes au jogging. Du coup, là, moi, je vais un peu chill sur mon ordinateur. En ce moment, je joue grave à League of Legends. Si vous voulez ajouter moi, on jouera ensemble et tout. Regardez comment je m'appelle, wesh. Mathis, MA2THY2S. Et lui, il regarde sa série qui date de 1948, Charmed. C'est hyper bien, Mathis. Et puis juste après, on va aller promener Happy. On n'a pas pu le promener aujourd'hui à cause de la pluie. Regardez-le. Par contre, Happy, il fait que de sentir tout, genre tout. Bah oui, c'est un bébé chien, c'est pour ça. Regardez, il court. Ça nous fait notre sport de la journée à chaque fois. Et vraiment, depuis que j'ai Happy, j'ai perdu 20 kilos, wesh. Regarde ses yeux. Et le chétan ici. Oh my god, on vient de rentrer de la balade. Regardez comment il est sale. Et d'ailleurs,
finir les Big Mac, petit aparté, j'ai extrêmement besoin d'aller chez le coiffeur. Je vais y aller demain, donc si tu veux aller voir le résultat, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram. J'aurai posté une photo du résultat de chez le coiffeur. Enfin bref. Allez toi, on nettoie les pattes. Oh my god, faites vraiment pas gaffe à nos têtes. Ça franchement c'est les têtes des gens désespérés. Vous savez, à la fin de la journée là, et bah c'est nous. Toi ça va, hein, regarde-moi. Moi on dirait un mort vivant là pour le coup. Mais du coup, pour remédier à tout ça, un petit masque. Les vrais reconnaîtront les masques d'action. Moi je pense que je vais faire lui. Moi je vais faire lui. Ok. Mais avant faut mettre ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Et voilà comment le masque de Fabien se présente. Genre c'est en silicone. Alors, ah mon dieu. On dirait chat noir. C'est moi, moi chat noir. Toujours présent. Ah là franchement je me suis appliqué hein. On sent la fraîcheur. On va passer à toi maintenant. Moi apparemment ça va me purifier le visage. Je pense que j'en ai besoin d'être un petit peu pur dans la vie. Je vais mettre un bandeau parce que là, c'est plus possible. Moi, vous me connaissez, on y va un petit peu à l'arrache. Je comprends pas trop ce que je mets, mais je suis les étapes. Oh, je ressemble à un fantôme. Vous entendez ou pas? Très ASMR. Je vais enlever ce bandeau quand même. Bon, écoutez, on va laisser poser les masques. Salut, chérie. Bon, bah voilà, c'est la fin des masques. Oh, ça fait du bien. Oh, mon Dieu. On se sent vraiment revivre après ça. Et puis nous, bah écoutez, on va bientôt aller dormir. On va pas rester là éternellement. Ouh, oh, je commence vraiment à m'endormir pour le coup. On va pas vous emmener plus loin, vous avez capté en fait. Oula. Et du coup voilà les Big Mac, c'est déjà la fin de notre night routine. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo en bombe si vous voulez une autre vidéo avec mon baby shark. N'hésite vraiment pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et à activer la cloche des notifications. Au moins dès que je sors une nouvelle vidéo, tous les dimanches à midi, tu auras la petite notification et tu pourras la visionner. Et si tu veux revoir encore ma tête, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat et sur Twitter. Et n'oubliez pas, soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac. Mouah. Mouah.